Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y a pas mal de, j'ai fait pas mal de calculs, j'ai tenu à faire pas mal de calculs explicites, et ça peut laisser une impression d'une matière assez formelle finalement, la cosmologie, qui serait une science qui fait des calculs sur notre univers sans beaucoup d'attention finalement à des comparaisons avec l'univers qui nous entoure. C'est évidemment complètement faux. La cosmologie, c'est aussi une science observationnelle. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est faire le lien justement entre certaines choses qu'on peut calculer, certaines prédictions théoriques et certaines observations. Il y en a essentiellement deux sur lesquels je veux revenir. Enfin, il y en aura beaucoup plus, mais il y en a deux qui sont vraiment liées à des caractéristiques géométriques telles que celles dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. La première, celle qui va concerner l'épisode présent, c'est la question de la taille apparente des objets dans le ciel. On est tous familiers avec le fait que si j'ai un objet, voilà, ce tampon effaceur-là, je le mets à une certaine distance de moi, je le vois sous une certaine taille angulaire, il a une certaine taille apparente. Si je l'éloigne, donc je tends le bras ou bien je vais poser le tampon effaceur là-bas sur le mur d'en face, il va m'apparaître plus petit. Donc plus c'est loin, plus ça apparaît petit. On va effectivement s'intéresser à ce phénomène-là en cosmologie. On va voir qu'il y a des choses un peu surprenantes qui peuvent se passer, notamment si dans certains types d'univers, si les objets deviennent trop loin, ben ils apparaissent de plus en plus grands en fait. On les éloigne, ils apparaissent de plus en plus grands. Ça, je l'ai déjà montré sur une analogie bidimensionnelle, là, quand j'ai assimilé notre univers à une sphère, mais là, je vais vraiment montrer dans le cas tridimensionnel. Et on va voir que ça, effectivement, ça permet de, ça, en comparant les prédictions théoriques de ça, de la taille apparente des objets, à des séries d'observations qui sont faites sur la taille apparente des objets, on peut dire des choses sur l'univers dans lequel on vit. On peut mettre des contraintes sur le type d'univers dans lequel on vit. Dire cet univers-là, oui, celui-là, non, c'est pas possible. L'autre type d'observation de ce type, c'est le rapport entre la luminosité apparente des objets et leur éloignement. Ça, je vais entièrement le reporter sur le cours d'après. On verra dans ce cours d'après, hein, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui seront formellement très semblables à ce qu'on va faire maintenant. En fait, les grandeurs qui interviennent, elles sont vraiment intimement reliées. Aujourd'hui, je vais vous parler de distance angulaire. La prochaine fois, je vous parlerai de distance de luminosité. Et en fait, ces deux grandeurs, elles sont analytiquement très proches l'une de l'autre. Si on connaît l'une, on peut avoir l'autre immédiatement. Donc, le point qui m'intéresse maintenant, ici, aujourd'hui, c'est ce que je vais appeler distance angulaire. Et de manière plus générale, je vais m'intéresser à la question de la taille apparente des objets. Alors, pour que les choses soient vraiment très claires, le mot taille apparente, il est peut-être un petit peu ambigu. Ce que je vais appeler taille apparente, c'est la chose suivante. Imaginons que j'ai un objet ici qui ait une taille petite l. Imaginons, pour commencer, qu'on soit dans un univers euclidien qui ne s'expand pas, etc., l'univers géométrique dont on a l'habitude. Si ça, cette distance-là, je l'appelle grand D, voilà. Ce que je vais appeler la taille apparente de l'objet, c'est l'angle qui est ici, l'angle que font les rayons qui parviennent jusqu'à un observateur qui serait ici, et l'angle que font les rayons qui viennent des deux extrémités opposées de l'objet. Si l'objet est disposé perpendiculairement à la ligne de visée de l'observateur, on peut montrer de manière vraiment très simple, il y aurait trois lignes de calcul, mais je n'ai pas trop envie de les faire. On peut montrer de manière très simple que L, c'est égal à 2 fois grand D tangente de θ sur 2. Et dans tout ce qui va suivre, on va s'intéresser à des angles, des objets dont la taille ici L est petite devant la distance grand D. Donc ça nous dit ça ici que le terme qui est ici, le terme de tangente θ sur 2, est petit. Et on va voir qu'on a des ordres de grandeur pour θ, tels qu'effectivement on peut assimiler ici θ à sa tangente, et ça c'est à peu près donné du coup par grand D fois θ. Ce qui veut tout simplement dire que l'angle θ ici est à peu près donné par L sur D. Donc là j'ai pas inventé l'eau tiède, hein. Effectivement, la taille apparente d'un objet, c'est dans l'approximation des petits angles donné par la taille de l'objet divisé par la distance qui nous en sépare. Et c'est cette quantité-là ici que je vais appeler taille apparente. Donc taille apparente, pour moi, ici, ça va être quelque chose qui a la dimension d'un angle, donc il n'y a pas de dimension physique, et qui va s'exprimer en radians. Ici, si c'est un rapport de deux longueurs qui sont exprimées dans la même unité, alors θ est un angle en radians. Alors ici, je me suis appuyé sur un exemple de géométrie euclidienne, juste pour définir les notations. Ce qui va m'intéresser maintenant, à partir de maintenant, c'est comment est-ce que θ ici, petit l et grand D, sont reliés dans un univers qui est décrit par une métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker.
Je vais l'appeler dans la suite, là, la métrique de Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, pour éviter de répéter ce nom à rallonge plein de fois. Je vais l'appeler univers courbe. C'est pas très malin dans la mesure où il n'est pas forcément courbe, il peut être plat. Mais voilà, je vais faire la différence entre univers euclidien, c'est celui-là, et espace-temps courbe ou univers courbe, ça va être celui de Friedman, Lemaître, Robertson, Walker pour moi. Vous voyez, j'ai du mal à le dire, donc autant abréger mes souffrances et je vais employer du coup le mot univers courbe quand j'aurai besoin de ça. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer la relation entre θ, L et D ici? Bah, il y a différentes manières de le faire. Elles partent toutes quand même de la métrique, justement, de Friedman, Robertson, Walker, Lemaître. Alors, je vous rappelle que cette métrique est donnée par DS2 est égal à C2 dT2 moins A carré de T. Et j'ai exprimé ça sous deux formes différentes ici. Il y avait une partie dans laquelle on modifiait le terme radial ici, par rapport au cas plat, ou une autre notation dans laquelle on modifiait la partie angulaire. Je vais ici prendre la seconde, celle où on modifie la partie angulaire. C'est-à-dire que ça, je vais l'écrire sous cette forme-là, plus SK carré de R fois dθ2 plus sinus carré θ dφ2. Ou le terme SK qui est ici peut prendre trois formes différentes suivant le nombre k. Le nombre k ici est la constante de courbure. C'est l'inverse du rayon de courbure au carré. K, c'est 1 sur r au carré, où grand R, c'est le rayon de courbure de l'espace-temps dans lequel on est. Et la fonction SK ici, je vous rappelle qu'elle est donnée par R, tout simplement si k est égal à 0. Elle est donnée par sinus hyperbolique de R sur grand R fois grand R si K est positif et par R sinus de R sur grand R si K est négatif. Bon, ça je l'ai réécrit pour qu'on l'ait sous les yeux. Vous l'avez. Et la partie spatiale de la métrique, si je m'intéresse à un temps donné, elle est donc donnée par tout ça. Ce que je peux noter, du coup, dL carré est égal à A de t, facteur de dR2 plus SK carré de R fois dθ2 plus sinus carré θ dφ2. On va utiliser l'expression qui est ici pour estimer la longueur élémentaire d'un objet qui est définie de la manière suivante. Donc, imaginez par exemple que j'ai cet objet-là. Je vais supposer qu'il a une certaine distance de moi. Il y a plusieurs manières de repérer la distance. Je vais ici décréter qu'il est à une distance comobile petit r. Voilà. Donc il a une distance comobile petit r de moi. Et je vais imaginer qu'il est collé sur un cercle qui m'entoure. Un cercle qui a lui aussi le rayon comobile petit r. Donc j'ai autour de moi, dans un univers éventuellement courbe, un cercle qui est centré sur moi en tant qu'observateur, qui a un rayon petit r, et j'ai ici un objet de taille physique petite l, donc ça c'est sa taille physique, ça a sa longueur en centimètres. J'ai une taille physique petite l, et la question que je me pose, c'est sous quel angle est-ce que moi je vois cet objet-là? Alors pour ça, on peut partir d'une version un peu simplifiée de cette expression, plus précisément une version qui correspond à la situation que je viens de décrire. Donc l'objet qui est sur un cercle de rayon R comme ça, je vais supposer que ce cercle, il est dans le plan phi est égal à 0. Phi en coordonnées sphériques, ça serait l'angle qui est ici. Je décrète, en fait, je définis le système de coordonnées tel que le plan phi égale 0, ça soit celui qui contient le cercle dont je suis en train de parler. Donc ça veut dire que ce terme-là est nul. Si je m'intéresse aux distances le long du cercle dont je viens de parler, tous les points ont la même distance comobile par rapport à moi. Donc ça fait 0. Et donc on se retrouve simplement dans la situation que je viens de décrire par dl carré est égal à a carré de t fois sk carré de r fois dθ2. Je peux prendre la racine carrée de ça. On voit que les longueurs ici, dl, est donnée par ça. Qui me dit ici simplement que bah, la longueur L que je cherche, elle est donnée par θ fois A de t SK de R. Autrement dit, θ, la taille angulaire dont je suis en train de parler, elle est donnée par L sur A de t SK de R.
Alors, on pouvait aussi ça le montrer d'une autre manière. Si vous allez chercher dans le cours, dans ce qu'on a fait précédemment, si vous allez chercher la circonférence d'un cercle dans un univers courbe, la circonférence d'un cercle qui a pour rayon comobile petit r, et en faisant une règle de 3 en se disant qu'un objet qui fait toute la circonférence comme taille est vu sous un angle de 2 pi, et ben vous retombez aussi sur cette expression-là. Bref, en tout cas, ça c'est du coup l'expression de la taille angulaire de l'objet. Et on définit la quantité suivante, par analogie avec ce qui précède, on avait vu tout à l'heure que θ était donné par L divisé par grand D. Donc la grandeur qui est ici, là, ça, on la note dA. Et là, vous ne voyez rien en bleu, donc je vais le réécrire en blanc. dA, donc on le définit comme A de T fois SK de R. Et ça s'appelle du coup la distance angulaire. Donc c'est la distance, attention, petit dA, c'est la distance à laquelle il faudrait mettre l'objet de taille L pour qu'il soit visible sous l'angle θ si on le plaçait dans un univers euclidien. Voilà, donc ça donne une indication de l'éloignement de l'objet. En tout cas, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est la grandeur qui est ici. Plus précisément, si j'ai un objet de taille L donné et que je sais à quelle distance il se trouve de moi, je vais évaluer tout ça et je vais donc trouver ici la grandeur. Alors, avant d'en venir à ce programme-là, à l'évaluation du dénominateur, juste une remarque. Si vous regardez dans des bouquins de cosmologie, c'est parfois présenté d'une autre manière. On peut aussi s'intéresser à non pas à la taille angulaire en termes de degrés, enfin de radians, d'angle, mais la taille angulaire en termes de surface, en quelque sorte, d'angle solide. En fait, on peut se poser la question, tiens, si j'ai un objet qui a une surface donnée S à un certain endroit, sous quel angle solide est-ce qu'il m'apparaît? Et on s'aperçoit, je ne vais pas faire ici du tout le calcul, ça se fait très bien de la même façon que ce que j'ai fait là, mais on obtient du coup que l'angle solide sous lequel on voit, oméga, est donné par S sur dA au carré. C'est-à-dire que c'est encore la même grandeur que celle-là qui intervient. Et là, dans un univers euclidien, effectivement, l'angle solide sous lequel on voit un objet de taille S, de surface S, est donné par S sur le carré de la distance qui nous en sépare. Et bien voilà ici. Donc le dA, c'est finalement, c'est aussi la distance angulaire, c'est aussi la distance à laquelle il faut mettre un objet pour que la relation entre sa taille, son aire physique et puis son éloignement et son angle solide soit la même que dans un univers euclidien. Voilà. En tout cas, c'est cette grandeur-là qui va nous intéresser, qu'on appelle distance angulaire. Alors, si on fait de la cosmologie observationnelle, on est observateur, on regarde le ciel et on a envie de tester notre connaissance de l'univers, ce qu'on a envie de faire, c'est de regarder des objets dont on pense connaître la taille physique L, dont on pense connaître leur éloignement, donc on connaîtra le dénominateur ici, et dont on observe une taille angulaire θ donnée, et regarder si cette relation-là est vérifiée. C'est ça qu'on aurait envie de faire. La difficulté quand on essaye de le faire, elle est la suivante. Au dénominateur ici, on voit que ce qui apparaît ici, c'est A de t. Donc il faut connaître le temps qu'a mis la lumière pour nous parvenir depuis l'objet. Ce n'est pas forcément un gros problème, hein, mais je veux dire, on n'a pas forcément, ce n'est pas une donnée qui est immédiatement accessible à nous. Et il y a ici SK de R, donc qui fait intervenir la distance comobile de l'objet, qui n'est pas non plus une grandeur qui est très simple à déterminer expérimentalement, qui n'est pas immédiate en tout cas. Donc ce qu'on aurait envie de faire, c'est plutôt que d'exprimer ça en fonction de t et de r, ça serait d'avoir le dénominateur ici en fonction d'une grandeur directement observable. Et ça, c'est vite vu, hein, il y en a une qui est même très facilement observable, c'est le décalage vers le rouge, le redshift z. Donc ce qu'on a envie de faire ici, c'est d'exprimer le dénominateur ici en fonction de z, du décalage de l'objet. Et du coup, là, la procédure observationnelle que je viens de décrire, elle est très simple. Si on connaît des objets qui ont une taille L donnée, on les observe à un certain décalage vers le rouge, et on observe aussi leur taille angulaire, et bien on va pouvoir voir si la relation entre ces deux grandeurs est celle prédite par la théorie. Alors c'est parti. Ce qu'on veut finalement, c'est remplacer A de t par son expression en fonction de z, et SK de r aussi. Alors il y en a une qui est vraiment extrêmement simple, l'autre qui est juste simple, mais celle qui est extrêmement simple, c'est celle-là. Puisque ça, on a vu que c'était même une définition du redshift, on a vu que A de t c'était donné par A0, la valeur actuelle du facteur d'échelle, sur 1 plus z. Maintenant, le deuxième, là, le SK de R, lui, c'est un petit peu plus complexe. Enfin, ça demande un petit peu plus de calcul, lui, là.
Et alors pour ça, je vous rappelle qu'on est en train d'observer un objet, on est en train d'étudier une situation où on observe un objet, où on observe un objet. Observer, ça veut dire que je vois la lumière qui me parvient de l'objet. Donc je vois de la lumière qui a été émise à l'objet et qui m'arrive. Cette lumière, elle est décrite par dS2 est égal à 0 pour de la lumière, est égal à C2 dT2 moins A carré de T fois, alors ça c'est ce que j'ai écrit il y a 30 secondes, hein, dR2 moins, pardon, plus SK carré de R fois dθ2 plus, etc., quelque chose en fonction de 2 phi 2 que je n'ai pas la place d'écrire, mais voilà, qui est ici. Et c'est de la lumière qui me parvient de l'objet, je me place au centre du référentiel, du centre du système de coordonnées utilisé ici, et du coup, la lumière qui me parvient de tous les objets autour de moi, elle a suivi des trajectoires qui sont radiales, donc le seul élément de longueur qui n'est pas nul là-dedans, c'est lui. Donc ça veut dire ici qu'on a tout simplement que C2 dT2 est égal à A carré de T fois dR2. Je vais enlever les carrés. En faisant attention au fait que quand T augmente, on a R qui diminue. Hein, la lumière s'approche de moi, donc ça fait un signe moins ici. Et bah c'est parti. Moi, ce que je voulais, je vous rappelle, je veux R en fonction de Z. Ici, j'ai encore T qui traîne ici. Bah je vais le passer de ce côté-là. Ça me dit ça que moins C dT sur A de T est égal à dR. Ici. Donc, ce que je veux, moi, c'est. Je voudrais avoir une expression ici qui fait intervenir Z, par exemple. Enfin, non, c'est ce que je veux. Pas par exemple, c'est ce que je veux. Et pour ça, je vous rappelle qu'on a que A point sur A, d'après la première relation de Friedmann-Lemaître, A point sur A, le carré de A point sur A est donné par H0 carré oméga de Z, où oméga de Z ici, c'est un terme qui contient les différentes contributions de densité d'énergie, matière, rayonnement, constante cosmologique et puis courbure. Et même plus précisément, je vous rappelle qu'on avait défini rho sur rho c, ça c'est le oméga, c'est la définition du paramètre cosmologique oméga. Et donc ça c'est oméga. Et son expression en fonction de z, c'était donné par, on l'a déjà écrit plusieurs fois, rho 0m facteur de 1 plus z à la puissance 3, plus oméga r0 1 plus z à la puissance 4. Hein, donc la matière se dilue comme a cube, alors que le rayonnement c'est comme a puissance 4. Plus un terme de constante cosmologique, oméga R lambda, où je mets ici un 0 en exposant, mais comme c'est une constante, ça n'a pas tellement de sens, mais voilà, je le mets quand même. Et plus oméga K 0, facteur de 1 plus Z à la puissance moins 2, ça c'est le terme de courbure qui, lui, évolue donc comme A au carré. Donc voilà l'expression du oméga de Z qui est ici. Et pourquoi j'ai écrit tout ça? Bah parce que du coup, ça, on peut écrire que donc A point c'est dA sur dT. C'est égal à le a carré qui est ici, je le passe ici, et je prends la racine carrée du tout, donc ça me fait ici dA sur dt est égal à a fois h0 fois racine de oméga de z. Et du coup, ça me dit que ça me dit que dt est égal à dA sur a h0 racine de oméga de z. Et ça, je peux le remplacer du coup dans l'expression qui m'intéressait. Je vous rappelle que c'était celle-ci. Donc je remplace là-dedans dt par ce qui est ici. Et ça vaut du coup c dA sur a carré h0 racine de oméga de z. Voilà. Alors maintenant, il suffit juste de remplacer dA, enfin a par son expression en fonction de z. Ça, elle est ici. Et même de façon un peu plus astucieuse, on voit que 1 plus z, c'est donné par a0 sur a de t. Donc quand je différencie ça, ça me dit que dz est égal à moins dA sur a carré fois a0. Donc dA sur a carré, on voit que c'est une expression très simple. Donc tout ça vaut simplement c dz sur h0 a0 racine de oméga de z. Donc du coup, si je veux R en fonction de Z, puisque c'est ça qui m'intéresse, on va se retrouver à devoir intégrer cette expression.
Et du coup, c'est parti. Petite r, c'est l'intégrale de c dz sur h0 a0 racine de oméga de z pris entre 0 et z. Bah, du coup, si on veut écrire une expression vraiment complètement fermée et générale dans laquelle il n'y a pas de, dans laquelle tous les éléments sont explicités, du coup, ça donne R est égal à C sur H0, intégrale de 0 à Z, de DZ, sur, et là, bah, je vais écrire l'expression de oméga, c'est oméga M0 fois 1 plus Z à la puissance 3, plus oméga R0 1 plus Z à la puissance 4, plus oméga lambda 0, plus. Et ici, pour le oméga 0 de oméga 0 cal, le terme de courbure, je vais utiliser le fait que par construction, par définition de ces grandeurs oméga là, la somme oméga M0 plus oméga R0 plus oméga lambda 0 plus oméga K0, la somme en fait de ces paramètres cosmologiques vaut 1. Donc le terme de courbure ici, je peux l'écrire comme 1 moins la somme de tous les autres, oméga M0 moins oméga R0 moins oméga lambda 0. 1 plus z au carré. Et le tout sous une racine carrée. Voilà l'expression qui relie R à z. Alors quand on voit ça, on peut réagir de deux manières différentes. On peut être un peu effrayé, parce qu'on se dit, oula, j'ai une relation entre R et z qui fait intervenir cette intégrale que jamais de la vie je vais savoir calculer. C'est une racine carrée de somme de puissance de trucs. Ok, bon. Ou se dire, bah, en fait, le problème il est extrêmement bien posé là, c'est bon, c'est fini. Une fois que je me donne des valeurs qui décrivent l'univers dans lequel on vit, si je connais la valeur actuelle du paramètre de densité de matière, celui de radiation, celui de constante cosmologique, je connais donc les facteurs numériques qui sont ici, j'ai une intégrale à calculer, ça je vais laisser à un ordinateur le faire en fait, ça se fait de manière numérique très simple. Ça, je vais vous le montrer, effectivement. Je vais vous montrer après comment, avec quel genre de programme on peut calculer numériquement l'intégrale qui est ici. Du coup, je pense qu'il faut plutôt réagir de la deuxième manière, c'est-à-dire se dire, ben voilà, là, en fait, c'est une intégrale à calculer. Après, j'allais dire, c'est des maths. Non, c'est même pas des maths. Les maths, ils seraient un peu insultés, là. C'est du calcul. C'est purement du calcul. Alors, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut calculer. Donc, une fois qu'on se donne oméga M, oméga R, oméga lambda, on sait calculer ça. Donc, du coup, dans l'expression entre θ et L ici, on sait calculer la grandeur qui est là, et ça, on savait aussi le calculer. Donc là, le problème, il est vraiment bien, il est quasiment terminé. Donc je vais vous montrer effectivement ce que ça donne dans un cas, sur un article qui jouait ce jeu-là de comparer des observations au modèle. Mais avant quand même, je veux vous montrer qu'on sait effectivement calculer cette grandeur-là, un, de manière analytique, et deux, de manière numérique. Analytiquement, on ne peut pas le faire dans tous les cas. On peut le faire ça que pour certaines combinaisons des paramètres cosmologiques. Par exemple, un cas où on peut calculer cette intégrale, c'est le cas où on n'a pas de constante cosmologique, oméga lambda est égal à 0, et où on n'a pas non plus de courbure. On est dans un univers plat. Ce qui veut dire dans ce cas que oméga M0 plus oméga R0 vaut 1. Voilà. Dans cette situation-là, l'intégrale qui est là s'écrit R est égal à C sur H0, intégrale de 0 à Z, de DZ sur racine de oméga M0 1 plus Z à la puissance 3, plus oméga R0 1 plus Z à la puissance 4. Alors là, je ne sais pas si vous me croyez, je suis en train de vous dire que ça se calcule analytiquement. Bon, ce n'est pas forcément évident comme ça. Et de fait, si ce qui nous intéresse, c'est de calculer cette grandeur analytiquement, un changement de variable va s'imposer et va rendre ça vraiment très simple. En revanche, j'insiste, hein, l'expression qui est là, si c'est pour un calcul numérique, c'est elle qui va nous servir. Alors, donc pour le calcul analytique cette fois, on va changer de variable, on va passer de z à a en utilisant la relation qui est là, et plus précisément en écrivant ce qu'on a écrit tout à l'heure. dz, c'était moins dA sur a carré. Et par ailleurs, je vous rappelle que 1 plus z ici, c'est a puissance moins 1. Donc je vais remplacer les 1 plus z qui sont là-dedans par des a puissance moins 1, et je vais remplacer dz par moins dA sur a carré. Et ça nous dit du coup que R est égal à C sur H0, intégrale de, je vais mettre les bornes après, dA
sur a carré racine de oméga m0 fois a puissance moins 3 plus oméga r0 a puissance moins 4. Je vais rentrer le a à l'intérieur ici. Ça fait une constante. Et là, on a tout simplement a. Voilà. Voilà à quoi ressemble la grandeur qu'on veut, l'intégrale qu'on veut évaluer avec les bornes ici. Alors, il y a le signe moins ici que je me suis bien gardé de mettre. Ça, c'est parce que je vais mettre les bornes dans le bon sens pour que ça fasse une grandeur positive. Du coup, ici, c'est l'intégrale, elle va de A0 à A0 sur 1 plus Z. Ça, c'est le A final et ça, c'est le A de départ. A0 vaut 1 dans la convention que j'ai prise. Donc ici, c'est simplement l'intégrale entre 1 en borne supérieure et 1 sur 1 plus z en borne inférieure. Donc voilà. Et ça se calcule vraiment très bien. On a ici juste l'inverse d'une racine carrée. Donc ça, je vous laisse le soin de le vérifier. Mais on peut montrer du coup que R à la fin est donné par. Voilà. C'est mal écrit. On ne comprend rien. POV, vous l'avez en surimpression, beaucoup mieux. Voilà l'expression qui relie R et qui relie R et Z. Donc le Z est ici. Et ce cas-là, dans lequel l'univers est plat, dans lequel la somme des paramètres cosmologiques vaut 1, il apporte aussi une simplification supplémentaire, c'est que dans la relation qui est ici, comme l'univers est plat, le K ici vaut 0, ce qui veut dire que SK de R, c'est tout simplement R. Donc en fait, ici, la relation, simplement θ est égal à L sur A de t, donc la grandeur qui est ici, et sur la grandeur qui est là. Il n'y a pas de facteur, de vraiment de fonction SK à considérer. Bon, donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut le calculer de manière analytique. Maintenant, je tiens vraiment à vous montrer aussi qu'on peut le faire de manière numérique. Alors ça, c'est pas quelque chose que je peux faire facilement au tableau, du coup, mais je vais quand même vous indiquer la procédure pour faire ça. Donc il y a des logiciels qui vous permettent, une fois que vous avez rentré les grandeurs qui sont ici, les oméga m, qui vous permettent d'avoir cette intégrale, il y a même des logiciels qui vous permettent de calculer les primitives de manière numérique. La manière que je vous propose, c'est celle qui est basée sur SageMath. SageMath, c'est un logiciel libre et gratuit qui se veut être un peu le concurrent libre et gratuit de Mathematica. En tout cas, qui fait du calcul formel et du calcul numérique. Et ce que je vous propose d'utiliser, là, ce que j'ai utilisé moi pour les courbes que je vais vous montrer, c'est la version en ligne de SageMath. C'est aussi un logiciel qu'on peut télécharger et mettre sur son ordi. Donc, ça demande c'est un tout petit peu plus lourd. Donc là, je vais vous présenter la version en ligne. Du coup, ça s'appelle CoCalc. La version en ligne de SageMath s'appelle CoCalc. Donc vous allez sur ce site-là. Vous vous inscrivez, encore une fois, c'est libre et gratuit. Donc vous vous inscrivez, vous ouvrez un feuillet de calcul, et là-dedans, vous pouvez mettre des commandes. Et ce que je vous montre ici, là, en ce moment en surimpression, c'est effectivement le listing qui permet de calculer l'intégrale numérique qui est ici. Donc je vous laisse, voilà. Bon, si vous voulez regarder le code, vous faites pause sur votre ordi. Je vais le faire disparaître au bout d'un moment. Mais voilà, essentiellement ce que fait ce code, c'est que ça donne une valeur minimale pour z, hein, donc le début du calcul. Ça donne des valeurs de oméga m et de oméga l et de oméga r. Et ça calcule l'intégrale et ça la trace. Voilà. Et donc vous avez ce que vous avez ici sous les yeux en ce moment. C'est le cas d'un univers sans constante cosmologique, donc celui que j'ai considéré là, dans le cas où oméga m vaut 0,3 et du coup oméga r vaudrait 0,7. Ce n'est pas l'univers dans lequel on vit, mais voilà, on peut le faire. Et la raison pour laquelle j'ai voulu numériquement vous montrer ça, bon, c'est déjà vous montrer qu'on peut faire un calcul numérique, mais aussi, justement, j'ai pris soin de calculer numériquement la courbe dans le cas où on dispose aussi de la valeur analytique, celle-ci-là. Et ça, c'est vraiment une procédure que les physiciens font tout le temps. Quand on fait un calcul numérique, on ne sait pas juste écrire un code, le faire tourner, et puis voilà, on regarde le résultat, on est content. On veut se convaincre qu'effectivement le calcul numérique il est correct, qu'on n'a pas oublié un facteur 2 ou un facteur 10, que on n'a pas donc que le calcul est effectivement bien fait, c'est-à-dire que la précision du calcul elle est correcte. Une manière de faire ça, la première manière, la manière la plus simple et la plus naïve, mais qui est absolument nécessaire, c'est de comparer le calcul analytique au calcul numérique dans un cas où on dispose des deux.
Donc là, par exemple, avec oméga m 0 qui vaut 0,3 et oméga r qui vaut 0,7, le calcul numérique nous donne une courbe, elle est tracée, et j'ai fait aussi tracer en même temps sur la même figure la courbe qui est issue du calcul qui est là. Et on voit effectivement qu'elles se superposent. J'ai dû en fait en décaler l'une très légèrement par rapport à l'autre pour qu'on voit qu'il y avait deux courbes. Donc ça veut dire que le calcul numérique, effectivement, il fait bien ce qu'on veut qu'il fasse. Une fois qu'on est content et convaincu du fait que le calcul numérique ici marche dans le cas où oméga lambda et oméga k valent 0, bah, on est assez confiant dans le fait que ça va marcher pour les autres situations aussi. Et du coup, on peut utiliser le petit code que je vous ai montré là pour calculer l'expression qui est ici dans tous les cas. Remarque. Je vais vous montrer ici, je ferai une petite parenthèse, vous montrer comment on tient compte de ce facteur-là dans le cas où l'univers n'est pas plat. Imaginons qu'on soit dans un cas où on est oméga m0, oméga r0, oméga lambda 0, oméga k 0. Donc la somme de tous ces paramètres fait 1 par définition, et l'univers n'est pas plat, ça veut dire que tout ça c'est différent de 1 et que ça c'est différent de 0. C'est ça que ça veut dire. Donc la petite question à laquelle je veux répondre maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met comme valeur, comme fonction s de k ici dans cette situation-là? Bah, je vous rappelle que, donc on a précisément comme relation que ça plus ça plus ça plus ça est égal à 1. Et plus précisément, lui là, je vais réécrire son expression. Donc ce terme-là, on avait écrit qu'à un temps t quelconque, c'était kc2 sur h2 a carré de t. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la valeur actuelle de tout ça. Donc la valeur actuelle de A, ça fait 1. Ici, on a simplement H0 carré. Et tout ça vaut 1. Donc ça vous dit que K est égal à H0 carré sur C2, 1 moins oméga M0, moins oméga R0, moins oméga lambda 0. Et je vous rappelle que k est relié à la courbure par k égale 1 sur r carré, et que le sk de r là-bas, dans le cas par exemple où cette quantité-là serait plus petite que 1, sk de r, donc c'est donné par grand R fois sinus hyperbolique de petit r sur grand R. Donc il suffit de mettre tout ça ensemble. Le 1 sur r qui est ici, c'est la racine du k qui est là. Donc tout ça donne 1 sur racine de k, sinus hyperbolique de racine de k fois r, où k est donné par ça précisément. Et quand on le fait d'ailleurs, ici dans le racine de k, vous avez un facteur h0 sur c qui va se simplifier avec le c sur h0 qui est là. Donc ça donne des expressions qui sont pas forcément très complexes en fait. Donc, voilà. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire comment prendre en compte le SK qui est ici. Donc j'en viens à la dernière partie de ce que je voulais faire maintenant. Donc là, je vous ai fait encore une fois des calculs. Mais on peut se poser la question maintenant, bah, qu'est-ce que dans notre univers à nous, qu'est-ce que ça donne? Alors je proposais au début de cette vidéo-là de regarder en quoi est-ce que cette relation-là nous apprenait des choses sur le monde dans lequel on vit. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de manière assez schématique, ici, vous montrer à quoi ressemble la courbe θ en fonction de z dans différentes situations. Je vous montrerai des vraies courbes. Après, là, c'est vraiment schématique. On s'attend à ce que quand le redshift augmente, au moins pour les objets suffisamment proches, θ diminue quand z augmente. Donc, on a quelque chose qui descend comme ça. Et plus précisément, on s'attend même à ce que θ décroisse comme 1 sur z. On s'attend à une relation linéaire, parce que z, pour les objets proches, dépend linéairement de leur distance physique, et que la taille angulaire est inversement proportionnelle à, précisément, l'éloignement de l'objet. Donc on s'attend ici à une pente en 1 sur z. Et ensuite, lorsque les effets de courbure commencent à se faire sentir, on va avoir différentes situations qui peuvent se présenter. Donc ça, c'est un univers qui serait purement euclidien, ce que je suis en train de tracer en blanc ici. Et en couleur, si je trouve des couleurs, voilà, ici, je vais vous montrer différents types de courbes qu'on peut avoir. On peut avoir des choses qui font comme ça, et on peut avoir des choses qui font comme ça. Encore une fois, je vous en montrerai après des courbes. Et
Le décalage vers le rouge typique auquel on commence à s'éloigner du chaos euclidien, c'est pour Z de l'ordre de 1. Donc on s'aperçoit, ici, si vous me croyez sur parole, qu'on a des situations dans lesquelles, quand on éloigne l'objet, il se met à être vu plus grand. Voilà. Donc ça, si ça vous surprend, regardez les premières vidéos, notamment ce qui se passe quand on dessine des cercles sur un univers bidimensionnel qui est sphérique. Donc j'avais effectivement expliqué à ce moment-là que des objets lointains sont vus de plus en plus grands quand on les éloigne. Bon. J'aimerais me poser la question de quelle est la taille typique ici des objets pour un redshift de z égale 1, pour voir effectivement si c'est un effet qu'on peut mettre en évidence facilement ou pas. Ben pour ça, ça se fait vraiment très, très facilement, puisque le θ qui est là, c'est donné par L sur la quantité qui est là. Si z est de l'ordre de 1, alors A est de l'ordre de voilà, 1,5, mais bon, c'est quelque chose de l'ordre de 1, encore une fois, c'est vraiment des ordres de grandeur que je veux ici. Le SK de R qui est ici, c'est de l'ordre de R, et on voit dans l'expression qui est là que R est de l'ordre de C sur H0. Tout ça va être un facteur qui va être de l'ordre de l'unité quand z vaut 1. Donc du coup, il faut que je calcule. Donc la grandeur qui est ici, c'est θ est à peu près égal à L sur C sur H0, donc LH0 sur C. Donc si on fait le calcul pour une galaxie, si on observe des galaxies à différents éloignements, je prends pour L la taille d'une galaxie, j'ai pris ici 20 kilos par sec, pourquoi pas. H0, j'ai pris la valeur actuelle qui est de l'ordre de 75 km/s par mégaparsec. Et ici pour C, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. On écrit tout ça dans les bonnes unités et on trouve pour θ quelque chose de l'ordre de 5 10 moins 6 radians, c'est-à-dire de l'ordre de la seconde d'arc. Donc 1 3600ème de degré. Donc voilà, la taille typique des objets qui sont ici, au moment où notamment la courbe du haut là, se met à remonter, c'est de l'ordre de la seconde d'arc. Ça vous indique que c'est un effet qui va être difficile à voir. La seconde d'arc, c'est la limite avec laquelle on arrive à déceler des détails dans le domaine optique quand on regarde des objets depuis le sol. Ça s'appelle le seeing, typiquement. Des objets plus petits, on n'arrive pas à voir les détails à cause des turbulences dues à l'atmosphère. Il y a des méthodes qui permettent de s'affranchir de ça, mais c'est des méthodes qui commencent à être un peu lourdes, ou bien envoyer des satellites dans l'espace, ou bien sinon faire de l'optique adaptative. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Historiquement, quand les gens se sont aperçus qu'effectivement, on pouvait utiliser dans le principe cette courbe-là pour étudier l'univers dans lequel on vit, les galaxies, ce n'était pas tout juste pas pensable de les utiliser pour faire ça. Donc il fallait prendre d'autres choses. Un autre problème avec les galaxies, c'est qu'en fait, on n'a rien qui nous assure que les galaxies qui sont très lointaines, celles qui sont par là, elles ont effectivement la même taille physique, le même petit L, que les galaxies actuelles. Les galaxies qu'on voit à des z élevés se sont formées dans un univers beaucoup plus jeune que celui dans lequel on est nous, dans un environnement très différent, et on peut très bien imaginer que du coup, elles se forment avec des propriétés différentes. Donc c'est pas si évident que ça de faire l'hypothèse que les galaxies très lointaines ont la même taille physique que les galaxies actuelles. Donc ça remet un petit peu en cause toute la méthode là. Bon. Alors, justement, c'est pour cette raison que les gens se sont plutôt tournés vers des sources radio. Et ce que je vous montre, ce qu'on va discuter maintenant, c'est un article de Kellermann, 1993, un article historique dans lequel l'auteur a étudié des sources radio. Vous irez voir l'article pour les détails, mais essentiellement, il a des sources radio dont il a des très bonnes raisons de penser que leurs tailles physiques sont les mêmes à tous les redshifts. Il mesure leur taille apparente en fonction du redshift, et vous voyez là les courbes que je vous montre maintenant, la courbe que je vous montre maintenant, qui montre la taille angulaire en milliarcsecondes. Vous voyez qu'ici, c'est vraiment des trucs qui sont encore plus petits que ça, mais en radio, on arrive à voir des milliardsecondes. Et donc, vous avez les points de données ici, et vous avez des courbes. Vous avez cinq courbes qui sont tracées. La courbe en pointillé, c'est celle qui était ici, là, c'est la courbe en 1 sur z, celle qui vient de l'univers euclidien. Donc, on ne vit pas dans un univers euclidien, manifestement. Vous avez la courbe SS, qui veut dire steady state. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, est apparue l'hypothèse qu'on pouvait vivre dans un univers en expansion, mais qu'en état stationnaire. Je ne vais pas ici en parler, je ne sais pas si je prendrai un épisode pour en parler, mais en tout cas aujourd'hui, non. Juste vous signaler que c'est une théorie qui a été réfutée
à plusieurs reprises depuis, mais bon, voilà, l'auteur ici a eu envie de nous montrer que, effectivement, ces mesures à lui réfutaient aussi le modèle de l'univers stationnaire. Donc les points de données ne passent pas par la courbe SS. Et il nous montre trois autres courbes qu'il a indiquées avec des indices Q0 égale 0, Q0 égale 1,5 et Q0 égale 1. Alors, ce Q0, là, ça c'est relié au contenu de l'univers et ça me permet de faire une petite parenthèse, justement, je vais les définir ici. Q0, ça s'appelle le facteur de décélération. Et c'est défini de la manière suivante. Q0, c'est moins A seconde sur A, pardon, A2 sur A point carré. Et c'est la valeur actuelle de tout ça. Donc cette expression semble un peu compliquée. Sa définition, elle vient du fait que quand on fait un développement limité de A de T en fonction du temps, le terme d'ordre 2 qui intervient dans le développement, c'est précisément celui-là. Il est relié à ça. Et on met le signe moins ici, parce qu'à l'époque où c'était introduit, on utilise assez peu aujourd'hui Q0, mais il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas le cas. On pensait à l'époque que l'univers était en train d'être décéléré, que l'expansion de l'univers était décélérée, donc que A point était une grandeur qui était négative. Et donc, du coup, ce paramètre ici, pour introduire une grandeur qui était positive, on lui mettait un signe moins devant. Donc, c'est resté. Et aujourd'hui, Q0 est défini de cette manière-là. Alors, pour vous montrer comment est-ce que c'est relié aux paramètres cosmologiques qu'on a déjà introduits, je vais réécrire ici la deuxième relation de Friedmann-Lemaître qui nous donnait A seconde sur A. Et elle était donnée par moins 4 pi g sur 3 fois rho 0 plus 3 P0 sur C2, plus oméga C2 sur 3. Où rho 0, c'est la densité de masse, enfin densité d'énergie, pardon, P0, c'est la pression, et lambda ici, c'est la constante cosmologique. Je vais écrire cette équation ici, en remplaçant ici rho 0 par rho M0 plus rho R0, rayonnement plus matière. Je vous rappelle que la pression ici, elle est nulle pour la matière, c'est ce qui définit la matière, et qu'elle est égale à un tiers de la densité d'énergie pour le rayonnement. Donc le 3P0 qui est ici, en fait, il vaut aussi rho R0. Et si j'introduis la densité critique rho C, qui est égale à 3H02 sur 8πg, voilà, et ça, je vous laisse à le titre d'exercice, vérifier que c'est vraiment un exercice intéressant à faire. Ça permet d'aller rechercher certaines des formules qu'on a déjà vues avant. Ça vous permet de montrer que Q0, défini de la manière qui est ici, est donné par oméga M0 sur 2 plus oméga R0 moins oméga lambda 0. Alors, ce facteur Q0, là, il était pas mal utilisé jusqu'à la fin des années 90, on va dire. Aujourd'hui, on préfère quand même plutôt donner les valeurs individuelles des différents paramètres cosmologiques, mais ça peut être intéressant de savoir faire la conversion entre les deux. Et de toute façon, qu'on soit dans la cosmologie avant ou après 98, parce que c'est ça la date clé, je mentionnerai 98 plus tard, mais c'est vraiment une date charnière. Donc de toute façon, avant ou après cette date, on savait que la quantité de la densité d'énergie dans le rayonnement était beaucoup plus faible que celle dans la matière. Ça, on observe qu'il y a beaucoup moins de rayonnement que de matière en termes de densité d'énergie. Donc ce terme-là n'y est pas. Donc Q0 est donné en très bonne approximation par cette combinaison-là. Alors je viens de mentionner 1998 comme date charnière. Effectivement, en 1998, on découvre expérimentalement que l'univers est en expansion accélérée. Donc on est obligé d'introduire une constante cosmologique. Avant 1998, la cosmologie standard était plutôt une cosmologie où on supposait qu'il n'y avait pas de constante cosmologique. Donc à l'époque où l'article dont je vous parle ici a été publié, 93, effectivement ce terme-là, on ne s'en occupait pas. Et du coup, ce qu'il faut lire là-dedans, c'est que quand Q0 vaut 1,5, ça veut dire que oméga M0 vaut 1. Q0 vaut 0, c'est un univers qui est vide, et Q0 est ouvert du coup. Et Q0 est égal à 1, ça veut dire que le oméga M ici vaut 2, donc c'est un univers qui est fermé. Et ce que ça vous montre ici, c'est que effectivement les courbes qui passent le mieux par les points de données, pour l'auteur ici, ce sont celles pour lesquelles Q0 égale 1,5. Je ne vais pas m'appesantir ici sur le fait que cette mesure-là, cet article, ce résultat scientifique, soit encore valide ou pas, soit correct, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de vous montrer, du coup, que l'expression
La relation taille angulaire redshift nous donne un moyen effectivement, de sonder l'univers dans lequel on vit. On mesure tout un tas d'objets de taille donnée à différents redshifts. On les trace dans le diagramme θ de z. On met par-dessus ce diagramme les courbes théoriques qu'on vient de calculer ensemble. Et la question, ça devient, quelle est la courbe théorique qui passe le mieux par les points de données? Ou quels sont les ensembles de courbes théoriques qui passent par les points de données de manière acceptable? Donc, en général, il y a une certaine dégénérescence, il y a une certaine incertitude sur les paramètres cosmologiques auxquels on arrive comme ça, mais en tout cas, ça permet d'exclure certains modèles. Là, d'après les résultats que présentés par l'auteur ici, le cas Q0 égale à 0, par exemple, serait exclu, d'après lui. Pour terminer, je veux quand même vous montrer, pour finir un petit peu le travail ici, je vous montre le calcul qui est fait avec SageMath pour toutes les courbes qui permettent de reproduire toutes les courbes qui sont effectivement sur ce diagramme. Alors toutes, non, je n'ai pas fait le modèle de l'univers stationnaire, ça ne m'intéresse pas moi ici d'en parler, mais je vous présente ici les résultats et le code qui permet effectivement, le code SageMath, qui permet de calculer les trois courbes qui sont présentées ici pour Q0 égale 0, 1,5 et 1. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de mystère, hein, c'est que ces courbes se calculent vraiment très très bien. Ça prend du coup une dizaine de lignes en SageMath. Alors, je m'arrête ici pour cet épisode consacré aux tailles angulaires. Donc, la prochaine fois, je ferai un exercice assez similaire à celui-là, dans lequel la grandeur physique qui m'intéressera, ça sera la luminosité apparente et son lien avec le redshift. Ça sera beaucoup plus axé sur les observations et les méthodes expérimentales que ne l'était l'épisode d'aujourd'hui. Je m'arrête là.